Merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode, un épisode très important. Gilles, tu es là avec moi. Tu vas bien? Super Thibaut, et toi, comment vas-tu? Tu m'entends bien? Je t'entends bien, je vais bien. Sylvain nous a rejoint, Nicole Jolie est là, Guillemette, Marc est là, c'est bien. Donc, on nous rejoint petit à petit. Moi, je voulais qu'on se retrouve à nouveau en ce début d'année. Gilles, on a besoin de recettes. Moi, je pense qu'on a besoin de méthodes, on a besoin d'outils, on a besoin d'énergie, on a besoin de démarrer l'année avec quelques super pouvoirs. Génial. Mais c'est vrai, tu fais partie des nos conférenciers de l'année dernière qui ont été les plus transformé certaines personnes. Moi, j'ai eu des retours, je peux te le garantir. Le lendemain, j'ai eu un commercial qui m'a appelé, il m'a dit, j'étais en rendez-vous, j'ai été voir le client et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Donc vraiment, j'ai eu ce retour-là et je me suis dit, voilà, il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. En fait, tu as fait bouger les choses auprès d'un de nos commerciaux. Et vraiment, ça, c'était important. C'est pour ça que je veux que tu reviennes, parce que ce qui est important, c'est pas simplement ce qu'on se dit. C'est pas forcément d'avoir une formation un peu théorique comme ça qui n'apporte pas grand-chose, mais vraiment des formations qui vont faire bouger les personnes qui nous suivent. C'est ce que je souhaite en tout cas, c'est qu'on arrive à vraiment transformer les personnes en quelques instants. Moi, je pense que c'est possible de transformer quelqu'un en quelques instants si on s'est appuyé au bon endroit. Et vraiment, tu avais réussi à appuyer au bon endroit lors de notre dernière intervention. Et je voulais absolument que tu reviennes pour nous partager à nouveau des recettes, donc pour bien démarrer l'année. Bonjour Bénédicte. Je rappelle qui tu es, Gilles. On sait que tu es coach, tu es formateur, tu connais l'immobilier comme ta poche. Tu organises des formations qui font bouger les gens, voilà, sur des séances intensives. Ça, on le sait puisque tu nous as fait la démonstration la dernière fois. Et tu auras l'occasion de présenter ta dernière formation ou prochaine formation à la fin. Mais ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que tu viennes effectivement nous coacher, nous donner des clés sur la prospection, qui est un sujet pour moi majeur. Un sujet important pour cette année qui s'ouvre, où on va avoir encore des belles surprises devant nous et puis aussi des surprises qu'on n'attendait pas, mais en tout cas des situations à gérer. Et je pense que la prospection va être importante pour tous. Voilà, bonjour Christelle. Donc, la prospection en quatre étapes. Donc, le régime performance prospection en quatre étapes pour, tu me l'as dit, doubler sa croissance pour doubler, enfin une croissance à deux chiffres, c'est ça hein? Donc, à la fin de ce webinaire, vous allez avoir une solution tout à fait gratuite qui va vous permettre de faire une croissance à deux chiffres dans les cinq prochaines années. Ça, c'est une… Alors, cinq prochaines années, mais on veut des résultats cette année. Donc, il faut que tu t'engages. Qu'est-ce qu'on peut obtenir cette année? Parce que nous, on veut des résultats tout de suite. Hein. Tu sais, cinq ans, c'est loin. Hein. C'est cette année qu'on veut bouger. Hein. Donc, avec le modèle que je vais vous expliquer… N'importe quel agent immobilier, j'ai pris les statistiques de base des agents immobiliers en Belgique et en France. Sachez que dans les cinq prochaines années, vous pouvez faire 200 000 euros de commission sans faire d'effort. En plus, par rapport à ce qui était prévu. Un mail par an, et je vous assure que vous allez chercher 200 000 euros en plus sur les cinq prochaines années. Ça fait 40 000 euros par an, et en moyenne, les agents immobiliers gagnent moins de 400 000 euros par an. Donc, c'est plus qu'une croissance à deux chiffres, et je vous en fais cadeau tout à la fin en vous expliquant le contenu qu'on va voir là incessamment sous peu. Donc, je suppose que tout le monde est impatient comme moi. On est impatient. Donc, c'est la méthode en quatre étapes sans effort pour une croissance à deux chiffres, c'est ça? Exact. Ah bah écoute, on y va parce que moi, j'ai envie d'apprendre des choses. Bonjour Virginie, on est tous avec impatients plaisir. D'avoir des recettes. On va repartir d'ici avec des recettes et surtout du résultat demain. Hein. On va pas attendre, hein, je te le garantis. Ah ben génial. Et ben donc sache juste Thibaut que donc là je parle d'une croissance à deux chiffres, mais je l'ai fait dans plein d'entreprises. Je viens encore ici de rentrer dans une boîte ici à Liège, donc en Belgique. J'ai multiplié leur chiffre d'affaires par 5 en 2 ans et là on va encore multiplier par 3, donc ce sera 15 en 3 ans. Donc je vous assure que ce que je vous transmets là, c'est de la technique éprouvée, approuvée. Il n'y a rien de compliqué, c'est simple, ça va résonner d'une bonne manière en vous. C'est vraiment une question d'alignement et si vous mettez ça en place, je vous garantis du résultat. Je vous partage tout de suite. Alors, tu nous as préparé une petite présentation, il y a quatre étapes, hein. C'est pas compliqué, c'est quatre étapes. Bonjour Alain. Donc Alain vient de nous rejoindre. Donc Alain, tu n'arrives pas trop tard, on va effectivement présenter le sujet du jour, comment augmenter ma prospection en quatre étapes pour doubler, croissance à deux chiffres sans effort. C'est parti. Alors, partager. Hop, je sais juste. Ah, on l'avait ta présentation. Ouais, c'était pas le bon. Attends deux secondes. Ça ressemblait, hein. Ça ressemblait, tu penses, mais il n'y avait pas. Voilà.
il n'y avait pas votre logo. Et moi, j'aime les choses sont bien faites. Et donc, tu me donnes encore 10 secondes. Bien sûr. Bon, j'espère qu'ils sont tous impatients d'en savoir un peu plus. Alors, en attendant, comment augmenter ma prospection en 4 étapes? Alors, première chose que j'aimerais faire avec vous, eh bien, c'est tout simplement, alors hop, ça marche comme ça, hein, voilà, c'est tout simplement revenir aux bases. Alors, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand vous voulez accélérer, quand vous voulez mettre de la croissance dans votre business, eh bien, avant de mettre de la croissance, c'est toujours important de vérifier que les fondations sont assez solides pour encaisser cette croissance. Vous êtes tous dans l'immobilier, vous savez que si vous n'avez pas des bonnes fondations, je ne peux pas construire un immeuble à 10 étages. Donc, le retour aux bases est hyper important pour vraiment faire la différence. Alors, je vois que mon fichier est téléchargé. Donc, si tu me le permets, tac. Oui, on a une petite seconde s'il faut, effectivement. Voilà, ça va être plus sympa sous cette forme. Voilà. Yop. C'est parti. Donc, merci Charlotte pour ton aide dans ceci. Donc, retour aux bases. Et pour commencer avec ces retours aux bases, moi, j'aime bien apprendre la définition et l'étymologie des mots. Bah oui, si on retourne aux bases, mais il faut retourner aussi aux bases de la langue française. Et donc, la définition et l'étymologie du mot prospection. Donc, ça vient du latin prospectare, qui a créé le mot prospérité. Je suis certain que tous les gens qui nous écoutent ce soir, eh bien, ont envie de plus de prospérité. Le pro veut dire en avant, spécérer veut dire voir. Et donc, la prospection est vraiment quelque chose qui s'accroche aux visionnaires. Et je pense que l'immobilier et les visionnaires, eh bien, sont en symbiose. Pourquoi ? Parce que quand j'investis dans l'immobilier, c'est rarement du court terme, puisque déjà, il faut construire les bâtiments. Et puis souvent, eh bien, pour pouvoir rembourser à la banque les prêts que j'ai faits, il faut une vision à long terme. Et ça tombe bien, c'est complètement aligné avec l'étymologie du mot prospection du côté latin. J'ai été un peu plus loin, j'ai bien fait mon travail de recherche, puisque la prospection, eh bien, ça vient de l'anglais « to prospect ». Depuis 1841, eh bien, c'est utilisé par les chercheurs d'or, les gens qui cherchent des gisements. Et donc, je ne sais pas, toi Thibaut, je ne sais pas pour les gens qui nous regardent, mais moi, j'aime me voir comme un chercheur d'or. Et donc, la prospection, ben, c'est vraiment ça, c'est aller chercher de l'or, et de l'or, eh bien, c'est ce qu'on va, on va en parler maintenant, des outils pour justement aller chercher des plus beaux lingots. En plus, l'or est en pleine explosion, hein, c'est vraiment une valeur de refuge. Et c'est difficile de ne pas faire le lien avec l'immobilier, qui est aussi une valeur refuge. Et dans une période comme maintenant, ben, qu'est-ce qui se passe? Bien, les gens, ils ont peur, ils ont pas confiance dans les banques, ils prennent leur cash et ils investissent dans l'or, dans les diamants, dans l'art et dans l'immobilier. Alors, comment faire maintenant pour justement être plus performant en termes de prospection et aller chercher tous ces mandats immobiliers? Alors, comme je vous ai dit, on va faire ça en 4 étapes. La première étape, on va être focus sur la cible. La deuxième étape, on va être focus sur le targeting. Donc, une fois que j'ai ma cible, eh bien, quel outil je vais utiliser pour toucher cette cible en plein milieu? J'ai envie de dire, je ne vais pas chasser des baleines avec une sarbacane. Je dois utiliser le bon outil pour eh bien, aller chasser. L'étape 3, focus sur la systématisation. Et donc ça, ça va être vraiment un point très important pour ceux qui veulent pérenniser leur travail à long terme et qui voudraient un jour peut-être vendre leur agence immobilière au prix fort. Et puis, focus sur les CRM. Donc, c'est les Customer Relationship Management. J'y arrive tout de suite. Alors, pourquoi focus? Première chose. Eh bien, parce que être focus, c'est être concentré. Et donc, c'est 4 étapes de concentration dans le début de mon business. Si demain, je fais des fondations qui ne sont pas performantes, je ne peux pas construire un empire, je ne peux pas construire un gros bâtiment sur les fondations. Et donc, il est évident que celui qui construit les fondations doit être très concentré sur ce qu'il fait, parce que s'il fait une erreur, eh bien, il y a tout qui s'écroule. Autre chose aussi, plus je suis concentré, plus tous mes réflexes d'être humain sont focalisés sur un seul objectif. Et cet objectif me permet d'avoir beaucoup plus de clarté. Et la clarté, ça donne de la puissance dans ma manière de fonctionner. Et vous allez voir qu'en plus, je vais vous démontrer eh bien, tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors, première étape, donc, étape numéro 1 pour augmenter eh bien, ma prospection, c'est savoir quelle est ma cible. Alors, on n'est plus au temps du Far West où on sort nos Colts
et on tire dans tous les sens en espérant toucher un individu. On n'est plus à la Deuxième Guerre mondiale où on devait utiliser, c'est véridique, 2000 balles pour toucher un homme. Maintenant, on a l'ère du sniper, et pour être un bon sniper, eh bien, je dois avoir une super cible. Et donc, ça veut dire que je dois faire un travail en amont de ma prospection sur qui sont mes clients. C'est à qui que je m'adresse. Et donc, j'ai mis des exemples, ça va dépendre évidemment de chacun d'entre vous. Notez bien ces exemples. Quel est l'âge de ma cible? Quel est son sexe? Quelle est la taille? Quel est son dress code? Est-ce que c'est des gens qui ont un gros pouvoir d'achat, donc leur niveau de richesse, leur niveau social? Quelle est leur situation familiale? Qu'est-ce qu'ils font comme sport? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien? Et souvent, quand il y a un problème, ben, vous venez avec une solution. Quels sont les amis en commun qu'on a? Quels sont les lieux sur lesquels je veux travailler dans l'environnement? Et puis, si c'est du B2B, hein, si vous vendez de l'immobilier professionnel, des hôtels, des chaînes de magasins, pourquoi pas des bureaux, eh bien, quel est le chiffre d'affaires de ces sociétés immobilières? Quelle est la taille de l'entreprise? Quels sont leurs nombres de filiales? Et surtout, quels sont leurs loisirs et passions? Petit point d'attention, lorsque vous faites ce type d'exercice, certains vont se rendre compte que dans leurs activités professionnelles, ils ont plusieurs cibles. Et si j'ai plusieurs cibles, eh bien, je dois avoir plusieurs axes de systématisation et plusieurs axes de targeting. Et ça, c'est le focus, les deux focus suivants. Et donc, sachez que si vous avez plusieurs cibles, on ne s'adresse pas à des cibles différentes de la même manière. Je ne m'adresse pas à une esthéticienne de la même manière que je m'adresse à un avocat ou un médecin. La même chose, je ne m'adresse pas à quelqu'un qui vend son château de la même manière à celui qui vend peut-être un petit studio en campagne. Et donc, je vais devoir m'adapter à cette cible, mais pour m'adapter à cette cible, il faut que je la connaisse. Et donc, c'est très important de faire cet exercice avant de commencer à prospecter, de savoir à qui je m'adresse, tout simplement. Et j'ai un petit bonus pour vous. Si vous voulez vraiment être performant, loisirs, passion et les centres d'intérêt communs. Lorsque vous allez comprendre que votre cible a des centres d'intérêt communs avec vous, vous parlez le même langage. Et vous savez, qu'est-ce qui va faire aujourd'hui la différence entre un agent immobilier alpha ou un agent immobilier bêta? Eh bien, si l'agent immobilier alpha, il est passionné comme vous des ancêtres, donc des vieilles voitures, et que vous avez ça comme sujet de discussion, eh bien, l'agent immobilier bêta, il peut venir avec énormément de compétences, vous n'arriverez pas à passer avant lui, puisque vous avez créé du lien. Et donc, avoir une cible précise vous permet d'éviter une dépense d'énergie colossale et surtout de tirer à tout va comme le ferait Billy the Kid au Far West. Non, ce qu'on veut, c'est des vrais snipers. Alors, et après, je réponds à ta question avec plaisir. Ouais. Attention, je dois m'adapter à ma cible et m'adapter à ma cible, eh bien, c'est mon code vestimentaire, c'est mon langage que je vais utiliser, mais c'est aussi ce qu'on appelle le VAX. Et donc, ça veut dire je dois percevoir chez cette personne, si c'est quelqu'un de plutôt visuel, quelqu'un de plutôt auditif, quelqu'un de plutôt kinesthésique, ou on dit même spirituel. Et ça, ben, dans différents types de formations que je propose, j'explique comment reconnaître ça. Alors, je vais poser une question. Je suis agent immobilier à Châteauroux. Alors, j'aimerais savoir comment je fais, parce que j'ai une agence immobilière en plein centre de Châteauroux. Donc, ma cible, finalement, c'est tous ceux qui passent devant l'agence, ou c'est tous ceux, en fait, qui sont dans une zone commerciale que j'ai pu définir. Je peux bien sûr m'adresser à l'ensemble de la ville ou peut-être un peu moins si je commence. Mais comment est-ce que je vais définir cette cible au-delà d'une cible géographique? Parce que finalement, mes clients, c'est un peu tous ceux qui sont autour de moi. Donc, ça, c'est une très bonne question, Thibault. Donc, moi, je ne pense pas que quand tu as une agence immobilière, tous les gens qui passent devant cette agence immobilière font partie de ta cible. Pourquoi? Mais si ton positionnement demain, c'est dire moi, je ne travaille que dans l'immobilier de luxe, ben, c'est pas monsieur un monsieur lambda qui passe devant ton agence immobilière qui va être contacté. Si tu dis moi, je veux me spécialiser dans les propriétés avec des grands terrains, mais ben, ta cible, elle est spécifique. Et donc c'est en fait très sympa à faire comme exercice parce que vous familiarisez, mais surtout vous vous donnez un target de ne plus travailler qu'avec certains types
de clients. Donc, en fait, au-delà d'une cible, on définit quelle est notre plateforme de marque, en fait, à qui on s'adresse. Mais enfin, on a un choix. Donc, on se positionne sur un marché avec, voilà, avec un positionnement, encore une fois, très précis. Donc, exactement. Comme par exemple, Porsche le ferait, qui voilà. n'est pas du tout le même positionnement que Volkswagen. Et donc, Volkswagen va utiliser la publicité en disant « Regardez ma nouvelle Golf comme elle est belle ». Porsche, ben, ils vont rarement faire une publicité. S'ils vont faire une publicité, eh bien, ce sera peut-être pour la nouvelle hybride qui va sortir. Pourquoi ? Parce qu'ils ne s'adressent pas à la même cible. Par contre, si demain, vous achetez un magazine de luxe, eh bien, là, il y aura une publicité pour Porsche. Et donc, c'est pour ça que votre cible, vous devez vraiment faire ce travail intellectuel en amont avec qui j'ai envie de travailler. Ou quelles sont mes compétences liées à ma cible. Et donc, ça peut venir de plusieurs réflexions, mais sachez que ces réflexions sont légitimes et surtout vous permet eh bien, d'être beaucoup plus précis dans vos démarches commerciales. Et quand vous amenez de la précision, eh bien, ça veut dire que vous arrêtez de dépenser de l'énergie ou dépenser de l'argent pour toucher des gens qui ne font pas partie de votre cible. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un tout de boîte pour faire votre publicité et que vous faites un tout de boîte dans un HLM et que vous ne vendez pas d'appartement d'un HLM, ben, vous allez gaspiller de l'argent pour rien. Donc, très, très important de maîtriser cette cible et de savoir, eh bien, OK, moi, c'est avec telle personne avec qui j'ai envie de travailler. Et donc, je me positionne par rapport à ça. Et donc, enfin, voilà, si je prends Engels & Völkers, par exemple, en Belgique, ils ont, je crois qu'ils n'ont pas un bien en dessous de 500 000 euros. Voilà, c'est leur position, pas un bien en dessous de 500 000 euros. Et donc, ils vont chercher des propriétés de caractère dans le Brabant wallon. Et si vous allez sur le site internet, il n'y a que ça. Et donc, ils vont s'attirer ce type de clients. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est plus rentable. Il y a des gens qui font des tout petits biens avec énormément de volume. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la cible. Est-ce que je veux vendre 10 biens par an ? Est-ce que je veux en vendre 50 ? Ça va dépendre de ma cible. Est-ce que ça répond à ta question, Thibaut ? C'est très clair. Génial. Alors, je continue avec eh bien, l'étape numéro 2. Une fois que j'ai cette cible, donc ça veut dire une fois que je sais à qui je dois m'adresser, eh bien, je dois trouver les outils les plus adaptés pour toucher cette cible. Est-ce que je vais prendre un arc à flèche ? Est-ce que je vais prendre un sniper ? Est-ce que je prends une mitraillette ? Ou est-ce que je prends un tank ? Mais ça dépend évidemment de ma cible. Et donc, ces outils, ici, j'ai mis une liste qui n'est pas exhaustive. Et sachez que dans tous ces outils, moi, j'ai un outil de prédilection qui est le téléphone. J'adore utiliser le téléphone. J'ai un retour avec le téléphone qui est gigantesque. Je vous parlerai après des statistiques. Mais dès que je connais ma cible, eh bien, je sais quel outil je vais utiliser avec cette cible. Si c'est le téléphone, eh bien, je vais, dans l'étape numéro 3, vous expliquer qu'il y a une manière de m'adresser à cette cible si je prends mon téléphone. Si c'est par exemple le marketing, alors j'ai mis virgule digital, sachez qu'aujourd'hui, le marketing est d'office digital. Je vais peut-être prendre une métaphore, hein, Thibaut, pour que vraiment ça percute. Si aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous n'utilisez pas Tinder, eh bien vous n'utilisez pas le marketing digital. Tinder étant une application pour faire des rencontres entre célibataires. Eh bien, j'ai envie de vous dire, demain, si vous êtes agent immobilier et que vous n'utilisez pas le marketing digital, posez-vous juste la question, mais tiens, si j'étais célibataire, est-ce que j'utiliserais Tinder ? Eh bien, je peux vous promettre que Tinder, ça marche. Moi, j'ai plein d'amis célibataires qui l'utilisent et qui en sont super contents. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui ne l'utilisent pas et qui trouvent quand même l'âme sœur. Encore une fois, c'est une question, quel est l'outil que moi, j'ai envie d'utiliser ? Et je pourrais utiliser tous les outils qui sont proposés ici, là, devant vous. C'est à vous de voir comment vous voulez fonctionner. Mais à chaque cible, il faut un outil ou deux outils, c'est pas et, c'est ou. Donc là, j'ai mis marketing digital, contact direct. Le contact direct, c'est quoi ? C'est tout simplement pouvoir être dans un endroit et savoir me connecter à une personne pour lui transmettre ma carte de visite, parler une minute avec lui pour pitcher de ce que je fais dans la vie. Et donc, évidemment, c'est dans le bon environnement pour pouvoir faire ces contacts directs. Si je cherche à vendre des châteaux, ben, il faut que j'aille dans des endroits où il y a des nobles. Et donc, pouvoir trouver un environnement où je vais aller faire du contact direct avec des nobles. Partenariat, dans les partenariats, ben, j'ai pensé, est-ce que vous avez pensé à des concierges, à des entreprises de travaux, à des entreprises de rénovation, à des architectes ou à d'autres commerciaux, d'autres secteurs? Je connais plein de commerciaux qui passent leur vie chez des particuliers. Tous ces gens, je fais du business avec eux. Pourquoi ? Parce que comme ils sont au quotidien avec des clients potentiels, je leur donne ma cible très précise. Ils n'ont pas besoin de connaître mon outil.
ses différents partenaires. Et donc, j'ai dit à tous ces commerciaux, je sais pas, qui vendent de la téléphonie, qui vendent de l'Internet, qui font, je sais pas moi, n'importe quelle activité commerciale. Et je leur propose, bah, tiens, si tu connais quelqu'un ou tu entends quelqu'un qui vend une maison ou qui veut vendre sa propriété, dis-le moi tout de suite et je vais trouver une solution avec toi, financière, incentive, comme vous voulez. Je ne connais pas les règles en France à ce niveau-là. En Belgique, je sais que c'est permis. Et donc voilà, des partenariats, ça a énormément d'impact. Alors ça pourrait être le targeting, ce serait les activités. Qu'est-ce que j'entends par là? Si ma cible, à un moment donné, je détecte que ces gens font tous du golf, eh bien, je vais m'inscrire dans un club de golf. Si je sais que ces gens font tous des rallyes de voitures d'ancêtres, bah, je vais aller m'inscrire dans un rallye. Et si ces gens font tous du squash, je vais aller dans un club de squash. Si ces gens font tous dans un club d'affaires, j'ai fait pas mal d'interventions dans le... Je pense que c'est le CJD en France, hein, le club des jeunes entrepreneurs. Eh bien, je vais m'inscrire dans un CJD ou essayer de me faire parrainer pour être dans un CJD. Même chose avec des applications. Aujourd'hui, moi, je vous invite très fort. Je fais pas leur publicité parce que je suis rémunéré dessus. Je peux le mettre dans, hop, dans le message. Shapper, c'est une application qui est en lien avec LinkedIn. Et donc, vous mettez ce que vous désirez faire sur cette application. Et un peu comme Tinder, l'application, avec son algorithme, va dire, ben voilà, moi, je cherche des prescripteurs ou je cherche des gens qui vendent de l'immobilier ou je cherche des gens qui sont en contact avec des gens qui font de l'immobilier. Et si de l'autre côté, ben, vous avez quelqu'un qui dit, ben, moi, j'ai de l'immobilier et je cherche à le vendre, eh bien, l'application va vous faire matcher tous les deux. Un bête exemple, moi, j'ai à peu près 50 contacts par mois rien qu'avec cette application. Et ça, c'est de la vraie prospection. Une fois que j'ai eu ma cible, j'utilise un outil qui est cette application et j'ai 50 prospects qui tombent tous les mois pour mes business. C'est pas magique, ça? Magique. Donc, on choisit effectivement une approche, les outils. En tout cas, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on les passe en revue, on les mesure et finalement, on sélectionne à la fin celui qui fonctionne le mieux. Exactement. C'est quoi? Alors, tu as tout à fait bien résumé ça. Donc, ce que je viens de vous expliquer là en marketing, ça s'appelle du marketing opérationnel. Le marketing opérationnel, ça demande un peu de créativité, mais ça demande surtout beaucoup de rigueur. Moi, j'ai toujours dit que la rigueur sur le long terme bat le talent. Et il y a un superbe exemple dans le monde sportif avec les frères Schumacher. Ralf Schumacher était beaucoup plus talent que Michael. Et donc, quand ils étaient jeunes pilotes en F3000 ou en kart, tout le monde disait, ben, Ralf Schumacher risquerait de devenir le champion du monde. Et son frère, il a entendu ça et il s'est entraîné. Et puis, l'histoire a voulu que Michael Schumacher soit peut-être encore aujourd'hui, je suis plus sûr, mais un des pilotes les plus titrés au monde. Donc, la rigueur, là, à ce moment-là, bat le talent. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec le marketing opérationnel? C'est que comme demain, je me mets à tirer à l'arc, eh bien, la première fois, je ne vais peut-être pas la mettre dans la cible. Donc, ça veut dire que je vais peut-être devoir prendre des cours, ça veut dire que je vais peut-être ajuster, ça veut peut-être que je dois muscler différemment. Et donc, en fonction de l'outil que je vais utiliser, je vais mesurer les retours. Et je vais me rendre compte que pour tel type de cible, c'est mieux d'utiliser le téléphone ou c'est mieux d'utiliser le contact direct. Vous allez voir dans la quatrième étape et dans la troisième étape que, évidemment, je dois mesurer mes résultats. Celui qui ne mesure pas ses résultats, eh bien, pour moi, c'est un cow-boy qui tire avec ses revolvers et donc qui a très peu de chances de pérenniser en termes d'effort son business. Parce que quand vous courez comme une poule sans tête et que vous tirez dans tous les sens, eh bien, il arrive un âge où vous commencez à fatiguer, votre niveau d'énergie descend et puis tout à coup, tous les clients vous ennuient, toute la prospection, ça vous ennuie, vous n'avez plus la force d'eux, vous n'êtes pas motivé à aller travailler. Alors que si vous aviez utilisé ne fût-ce que ces deux premières étapes, eh bien, vous aurez économisé énormément d'argent, énormément de temps et énormément d'énergie. Très intéressant. Avec plaisir. Donc, Shapper, terrible, je le conseille. Et en plus, c'est hyper présent en France, beaucoup plus en France qu'en Belgique. Donc, c'est vraiment une application qui a, je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'utilisateurs. Et c'est vraiment bien fait. Je vous dis, au moins 50 prospects par mois pour mon cas. Je passe à l'étape numéro 3, sauf si tu as encore éventuellement des questions, Thibaut. C'est très clair, hein, c'est très clair. On a différentes approches. Voilà, en fonction aussi de sa cible, on va adapter les approches, on va les mesurer. C'est bien sûr la suite de ta démonstration. Mais en tout cas, je trouve que c'est intelligent de parler de méthode, de discipline, d'organisation, voilà, pour viser en tout cas plus haut. Oui. Top, merci. Donc, je vois qu'il y a Patricia qui dit « Que mets-tu dans cette application ?» Ben, suis la logique que te propose l'application et tu mets en fait en quoi tu as des compétences. Donc, tu dois mettre tes compétences sur l'application et tu dois mettre ce que tu recherches. Et donc, tu peux dire par exemple, je recherche des biens immobiliers à vendre, je cherche des biens immobiliers
à louer. On me demande comment ça s'écrit. C'est juste au-dessus, Valérie, deux lignes au-dessus. S-H-A-P-R, Shaper. Il y en a d'autres. Hein. Je vous donne celle-là parce que je l'utilise. Je ne les connais pas toutes, mais encore une fois, ça dépend de votre cible et de l'outil que vous voulez utiliser. Alors, je continue avec l'étape numéro 3. Alors, une fois que j'ai choisi l'outil, eh bien, pour bien utiliser cet outil, je vais devoir créer ce qu'on appelle des processus. Dans une entreprise, si vous voulez dupliquer votre business, il est important qu'il y ait des processus. Ça s'appelle systématiser mon entreprise. Il n'y a pas d'automatisation sans systématisation. D'abord, je systématise. Donc, ça veut dire j'ai bien ma cible. J'ai testé et mesuré tous les outils, donc mon targeting. Là, j'ai trouvé l'outil qui est le plus performant. Donc, j'ai systématisé. Et une fois que ça a été systématisé, je peux automatiser. Et donc, automatiser, ça veut dire utiliser des outils comme l'informatique qui vont faire mon travail à ma place. Et pour ça, je vais notamment avoir des scripts. Je tombe, vous allez voir, après j'ai des statistiques parce que je recherche beaucoup de biens pour mon patrimoine personnel. Je suis vraiment effaré en fait que la plupart des agences que je contacte, que ce soit le directeur de l'agence ou leurs collaborateurs, ils n'ont pas ce qu'on appelle un script. Quand vous allez chez BMW, pour ne pas les citer, tous les vendeurs, ils ont un modus operandi. Voilà, vous accueillez les gens de cette manière, vous leur proposez à boire, vous allez les diriger dans le showroom et vous faites ça et ça et ça. Et donc, il y a une procédure. Ce modus operandi se fait, je prends le téléphone, c'est à l'entrée comme à la sortie. Donc, ça veut dire, tiens, si c'est un prospect qui vient vers moi parce que j'ai fait une bonne publicité, parce que j'ai une agence qui est visible, parce que j'utilise par exemple les médias sociaux, eh bien, il faut driver votre secrétaire, driver votre accueil ou driver vos jeunes collaborateurs, agents immobiliers, sur le dit, ben voilà, d'abord vous vous présentez, ensuite vous posez quels sont les besoins de votre client et donc vous écrivez un script. Et grâce à ça, eh bien, une fois que j'ai systématisé tous les outils que j'utilise, à un moment donné, je peux les automatiser. Et quand je commence à automatiser, eh bien, mes compétences, ma valeur ajoutée dans l'entreprise n'a plus d'importance. Et quand elle n'a plus d'importance, c'est seulement à ce moment-là que mon business a de la valeur. Il y a plein d'agents immobiliers qui commencent l'immobilier pour un jour vendre leur agence. Si vous êtes la seule valeur ajoutée de votre agence, eh bien, il n'y a aucun moyen de valoriser ça pour beaucoup d'argent. Parce que quand j'achète cette agence, ben, si vous partez avec tout le know-how, on dit en anglais, toutes les connaissances techniques. Or, qu'est-ce qui fait qu'une entreprise a de la valeur? C'est que eh bien, j'ai systématisé, j'ai transmis mes compétences. Et pour transmettre mes compétences, et ça, c'est vraiment un secret de tous les business de millionnaires que j'ai accompagnés, je dois former mes collaborateurs. Donc, ça veut dire, un, je dois bien les recruter. Une fois que je les ai bien recrutés, encore une fois, je donne des thèmes là-dessus bien spécifiques, mais une fois que j'ai bien recruté mon collaborateur, je dois le former. Il doit être plus fort que moi, ce collaborateur. Et il ne partira pas. Donc, vous n'allez pas créer votre concurrence à partir du moment où cette personne n'a pas compris ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que s'il part pour vous prendre 5 biens par an, on s'en fout. À partir du moment où vous avez systématisé, que vous allez automatiser, votre agence va faire des tels volumes qu'il aura plus d'intérêt à rester avec vous que de partir. Après, bon, on peut faire rentrer cette personne dans le capital de la boîte. Vous voulez vendre votre entreprise, mais pourquoi vous ne la vendez pas à vos collaborateurs? Vous avez 50 ans, vous avez des jeunes loups qui ont 25 ans. Mais écoute, moi, je te propose, je vais te former de A à Z. Et dans 3 ans, je te propose, tu peux acheter 10% de mon entreprise. Ça, c'est super motivant à partir du moment où il y a un système et une automatisation. S'il n'y en a pas, eh bien, ce qui m'a appris, oui, il y a un gros risque que ces personnes partent voler de leurs propres ailes et donc de former votre propre concurrence. Et ce n'est absolument pas l'objectif. Gilles, si on rentre dans le détail pour un agent immobilier qui nous écoute ce soir, comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce focus, donc systématisation? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, non. Une fois que j'ai trouvé ma cible et que j'ai testé les différents outils de targeting, pour chacun de ces outils, je dois créer un script. Okay. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des agents immobiliers, ils l'ont déjà, ce script, qui est devenu inné. Parce qu'en fait, à force de passer des coups de fil, à force d'envoyer des mails, ils ont trouvé, bon an, mal an, en se prenant des coups dans la figure, des techniques qui marchent.
Mais pour eux, c'est devenu tellement une compétence inconsciente qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils doivent la transmettre à leurs collaborateurs. Il y a quelques années, j'ai organisé un gros séminaire de formation avec des assureurs. Et on faisait une balade à vélo. Il y avait une dame là qui était à la fin, qui n'arrivait pas à changer ses vitesses. Enfin, elle était en train de monter une côte. Je voyais qu'elle était en train de galérer. Je dis, mais changez vos vitesses. Elle me dit, mais je ne sais pas comment on change les vitesses. Et donc, ça veut dire que votre savoir d'agent immobilier, eh bien, pour vous, vous êtes compétent inconsciemment. Mais pour les gens que vous amenez dans ce business, eh bien, ils ne savent pas vous copier si on ne leur donne pas les bases. J'ai un peu envie de vous dire, vous êtes un Einstein de l'immobilier, ben, si vous voulez transmettre ça, il va falloir commencer par les bases des mathématiques. Ah ben oui, on doit revoir l'étape de multiplication. Ah ben oui, on va devoir les fonctions. Oui, on va faire de la trigonométrie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais une fois que la formation que vous avez transmise à vos collaborateurs en termes de bases, parce que ça, ce sont les bases, est bien solide, eh bien, je peux construire un empire. Si je ne transmets pas les bonnes bases à mes collaborateurs, donc ça veut dire que si je ne leur apprends pas à systématiser, eh bien, leur business, je n'arriverai jamais à automatiser les choses. Alors, si je suis tout seul, parce qu'il y a quand même des agents immobiliers qui sont parfois tout seuls, donc qu'est-ce qui on peut les aider quand même sur cette étape-là, dans l'étape de prospection? Qu'est-ce qu'ils vont mettre par écrit leur méthode quand même pour pouvoir… Bien sûr, mettre par écrit leur méthode. Pourquoi? Et donc, ça, c'est toujours revenir aux bases. En fait, plus on grandit dans une activité professionnelle, plus on oublie les bases. Parce que tout à coup, on s'est dit, bah, tiens, si je fais ça comme ça, ça passe une fois, deux fois, on oublie qu'à la base, ce n'était pas comme ça que, par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai fait du tennis. Et bien, quand on joue au tennis, c'était prise marteau. Et puis, bah, après quelques années, en fait, je tenais un peu ma raquette d'un autre côté parce que comme ça, quand je servais, je faisais soi-disant des lifts. Et puis, mon entraîneur, il me dit, mais comment est-ce que tu tiens ta raquette? En fait, ça faisait 3 ans que je tenais mal ma raquette. J'avais complètement oublié que les bases, c'était de tenir ma raquette comme un marteau. Eh bien, dans l'immobilier, c'est la même chose. On vous a appris pour vendre dans l'immobilier et donc pour systématiser, donc pour avoir un contact privilégié avec votre client, on vous a donné des bases. Revenez aux bases et notez ça. D'une part, ça donne de la valeur à votre agence immobilière, même si vous êtes tout seul. Et surtout, le jour où il faudra eh bien, engager du personnel, le travail en amont sera fait. Et autre chose, et ça, c'est peut-être pour les Belges qui nous regardent, ça, c'est en plus, ce sont des… Gilles. Et en Belgique, les droits d'auteur sont taxés qu'à 12%. Bienvenue. Et donc, même fiscalement, c'est intéressant. Et donc, quand je dis fiscalement, c'est intéressant, ça veut dire que pour le même effort, eh bien, j'ai plus de net dans ma poche juste parce que j'ai la connaissance fiscale. Parce que j'ai créé ma méthode et cette méthode, je peux même la déposer. Et donc, avoir un script, c'est avoir créé votre méthode. Alors, on a une question de Patricia. L'application installée sur mon portable, que conseilles-tu pour l'inscription avec LinkedIn ou email? Ben, ça dépend si tu as un profil LinkedIn, Patricia. Si tu as un profil LinkedIn et que tu utilises souvent LinkedIn, ben, utilise LinkedIn. Si tu préfères les mails, tu utilises les mails. Donc, ça, c'est vraiment propre à chacun. Ok, clair. Donc, des procédures, mettre des procédures. Donc, exactement. C'est avoir un script pour chaque outil que vous utilisez. C'est primordial. Et surtout, vous allez voir, en fait, les gens, enfin, l'exercice que moi je fais avec plein d'entrepreneurs, parce que je le fais dans le secteur immobilier, mais je le fais dans d'autres secteurs, eh bien, quand ils le font, ils m'envoient toujours un message. Eh bien, tu sais quoi, Gilles, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais telle erreur, et que j'avais oublié que je faisais ces erreurs. Et d'autres qui me disaient, en fait, je viens d'augmenter mon taux de prospection juste en relisant parce que j'ai systématisé. Donc, en fait, ça a amené de la structure dans votre business. Et je ne sais pas demain comment vous gérez votre argent, mais si vous prenez votre cash et que vous le dépensez sans faire attention, bah, un jour, vous allez vous reprendre un retour de manivelle du fisc. Parce que ben, y a des règles à respecter. Et donc, c'est tout simplement mettre un cadre qui va vous permettre ben, d'avoir plus de résultats, moins de dépenses d'énergie et surtout qui va pouvoir être duplicable par après et donc à transmettre à vos futurs agents immobiliers, futurs collaborateurs, que ce soit secrétaire, hôtesse d'accueil et j'en passe, et des meilleurs. Claire. Okidoc. Ça me paraît clair cette étape. Étape 3. Alors, on passe à l'étape 4 peut-être. Mm-hmm. Avec plaisir. Yop. Alors, l'étape 4. Focus CRM. Alors, mesdames, messieurs, je ne comprends pas
les agents immobiliers qui n'ont pas de CRM, et je comprends encore moins les agents immobiliers qui ont des CRM et qui ne les utilisent pas. C'est, je le dis clairement, c'est, cette attitude, elle est stupide. Un Customer Relationship Management, c'est un outil informatique qui va vous permettre de mesurer tous vos résultats. Ça, c'est la première base. On dit les chiffres ne mentent jamais. Et vous pouvez utiliser ça dans vos présentations commerciales. Donc, ça veut dire que si demain, vous utilisez comme objet de targeting, par exemple, un prospectus, eh bien, sachez que les chiffres rassurent les êtres humains. Donc, utilisez des chiffres. L'année passée, on a vendu autant de biens, des biens en moyenne de telle valeur. Notre agence a fait une croissance de autant de pourcents. On a grandi l'équipe de X personnes. Ça, ça rassure le public. Et les gens, ils ont besoin d'être rassurés dans un secteur d'activité qui est quand même, qui n'a pas toujours bonne presse. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Les agents immobiliers, bah, on dit qu'il y a beaucoup de cow-boys. Bah, si vous voulez tout doucement effacer ça de l'esprit des êtres humains, eh bien, à vous de vous professionnaliser. Et une manière de se professionnaliser, eh bien, c'est d'utiliser des chiffres qui sont transmis à votre public, mais c'est surtout vous maîtriser des chiffres. Il n'y a aucun sportif de haut niveau qui ne chronomètre pas ses performances, quelles que soient ses performances. Pour quelle raison ? Parce que si vous ne connaissez pas vos performances, comment voulez-vous progresser dans les mois, semaines, années futures ? Alors, je pense que vous savez ce que c'est un tableau de KPI, hein, donc Key Progress Indicator. Donc, c'est vraiment un outil qui permet de manager mon équipe. Et avant de manager mon équipe, qui permet de me manager. Lorsque je vais voir que dans ma prospection, j'ai telle cible, j'utilise tel outil, j'ai fait rentrer 40 mandats. Ces 40 mandats, je les ai vendus de telle manière, avec tel taux moyen, par exemple, de commission. Mais vous allez vous rendre compte qu'à un moment donné, telle cible n'est pas rentable pour vous. Si, je ne sais pas, moi, je prends un exemple, vous gagnez 1 000 euros, mais que vous avez dû aller 10 fois sur place, vous enlevez votre essence et vos taxes, vous avez perdu de l'argent, en fait. Hein. Vous avez perdu de l'argent. Et donc, ça n'a aucun sens. À partir du moment où j'utilise eh bien, un outil informatique qui mesure ça pour moi, il va me sortir des tableaux. Et dans ces tableaux, vous allez voir là où vous êtes le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme outil ? Alors, parce que, enfin, il y en a beaucoup des CRM sur le marché. Quels sont les bons CRM d'après toi ? Alors, moi, j'utilise Odoo parce que c'est une grosse entreprise belge. Ils viennent de lever, je sais pas, 85 millions d'euros. Là, ils sont 1500 en Belgique. Et voilà, j'utilise ça dans mon ancienne boîte. J'ai une association, j'utilise ça. Donc, moi, je suis assez familiarisé avec ça. Je sais qu'il y a Zoho qui existe, qui coûte 60 euros par an. Il y a Salesforce qui coûte la peau du cul, c'est les meilleurs dans leur domaine. C'est à vous de voir. Il y a plein de CRM gratuits. Il ne faut pas quelque chose de sophistiqué. Il faut quelque chose qui vous donne des chiffres dans un premier temps. Vous savez, aujourd'hui, pourquoi les Apple Watch, ça fonctionne aussi bien ? Mais tous les gens qui font des marathons, tous les gens qui font des Ironman, tous les gens qui font des triathlons, ils ont toutes leurs informations sur leur état de santé en ligne directe. Et bien sûr que ça les aide pour performer. Et c'est de ça dont on est en train de parler. Augmenter ma prospection en 4 étapes, c'est augmenter mes performances commerciales. Et pour pouvoir augmenter mes performances commerciales, ben, il faut d'abord que je les mesure. Si je ne les mesure pas, je travaille comme au Far West, hein, je sors mes calls. Aujourd'hui, j'en ai eu 2, mais tu as dépensé combien de balles ? Ben, 50, ok, ben, c'est autant la cartouche, tu as autant de primes, de chasseurs de primes. Ben, tu sais quoi ? Tu as perdu de l'argent parce que tu as dépensé trop de balles pour tuer un. Hein. Alors, on va noter les noms des différents noms de CRM qu'on a cités. Il y a Salesforce, on a cité Odoo, c'est ça ? Ouais, Zoho, je vois qu'on l'a mis. Odoo, c'est comme ça. Hop. Il y en a plein, hein. Il y en a des dizaines et des dizaines. Honnêtement, vous regardez, la forme du CRM n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est que vous soyez focus sur vos chiffres. Ça veut dire que moi, je vois des agents immobiliers, je leur demande qu'est-ce que tu as fait comme chiffre d'affaires en 2020. Oh, je sais pas. Ou ils me donnent une fourchette entre 100 et 150 000 euros. Attends, entre 100 et 150 000 euros, il y a 50% de différence. C'est de la folie. Et je vous assure que c'est la majorité. Donc, je ne parle pas d'une minorité, je parle vraiment de la majorité des gens n'utilisent pas ces outils.
Mais donc, ça veut dire aussi que si demain, vous utilisez du marketing digital ou vous dites, tiens, moi maintenant, je veux utiliser des plans ou je veux utiliser des photos ou je veux utiliser de la technologie 3D et que vous ne mesurez pas l'impact que ça a dans votre business, bah, chaque fois que quelqu'un va vous proposer une nouvelle technologie, vous allez l'acheter alors que si ça tombe, ça ne marche pas dans votre secteur ou ça ne marche pas sur le lieu dans lequel vous travaillez parce que l'outil n'est pas adapté à votre cible. Et si vous ne mesurez pas ça, eh bien, vous dépensez de l'argent, vous jetez l'argent par les fenêtres en fait. Donc vraiment, c'est important de tester les approches, de vérifier sa cible, d'avoir effectivement des outils. Enfin, quels sont les outils à disposition, quels sont les scripts que je peux mettre en place par outil, et puis bien sûr de mesurer les résultats auprès de ses clients pour ajuster en fonction, aller développer tel ou tel outil puisqu'il fonctionne ou alors en retirer certains. Ok, très clair. Alors, je vais plus loin avec ce CRM. Dans un CRM, vous savez noter des informations sur vos clients. Vous savez noter, par exemple, leur passion. Tiens, c'est un passionné de monde de luxe, imaginons. Et puis, je me rends compte que j'ai plein de clients qui sont passionnés par les mondes de luxe. Mais tiens, il y a peut-être un lien de cause à effet entre ma cible et nos passions communes. Génial. Eh bien, ça veut dire que le prochain event que je vais faire, au lieu d'aller faire une descente en kayak ou du golf, eh bien, je vais organiser un événement avec un bijoutier que je connais qui vend des montres de luxe et je vais inviter tout mon public à venir dans cet événement où on va présenter, je ne sais pas moi, la sortie de la nouvelle Patek Philippe ou la nouvelle Rolex pour ceux qui connaissent mieux Rolex. Je ne fais pas de pub pour Rolex ou Patek Philippe, hein, mais qu'on se comprenne bien. Donc ça, c'est très important parce que vous ressortez et surtout vous adressez à votre public avec leur passion. Donc, dans votre CRM, vous savez mettre ça, quelle est leur passion. Okay, mais vous savez aussi mettre quels sont leurs besoins. Ah, mais en fait, j'ai rencontré, moi personnellement, j'ai pour ambition d'acheter de l'immobilier chaque année. Je vous donnais après les statistiques, d'accord ? Tous les agents immobiliers que j'ai rencontrés dans les 2 années qui viennent de passer, je vais vous donner les chiffres après, eh bien, il n'y en a pas un qui a noté dans son CRM, ce monsieur veut acheter un bien minimum par an. Si c'était le cas, chaque année, il m'enverrait, bah, tiens, on a tel type de bien pour vous. Et donc, vous avez un acheteur potentiel pour tel type de bien et mes desiderata sont ceux-ci. Je vous assure que quand je rencontre un agent immobilier, quand on est en train de faire une visite, qu'il me pose 2-3 questions, s'il est assez intelligent, qu'il m'en pose 10, et que je commence à lui dire mes desiderata, il n'y a pas 1% des agents immobiliers qui, un an plus tard, va même se souvenir de notre rencontre. Et encore moins de mes desiderata. Or, on a des outils qui sont hyper simples d'utilisation dans lesquels vous pouvez le mettre. Imaginez demain que vous rappelez cette personne et que vous lui dites « Ah ben tiens, comment vont votre fils Roméo et votre fille Ophélia ?» Moi, je suis au téléphone, je me dis « Waouh, ça fait 1 an que je n'ai pas été en discussion avec cet agent immobilier, il se souvient des enfants, des prénoms de mes enfants. » Eh bien, lui, il marque les points, c'est lui qui fait la différence. Et ça ne demande qu'un effort de 3 minutes. Vous connectez à votre application, hein, parce qu'il y a plein de CRM qui sont sur votre smartphone. Pam, j'ai fini mon rendez-vous. Ici, j'ai un gars de 38 ans qui a un gros pouvoir d'achat, qui veut acheter de l'immobilier une fois par an, qui a telle ou telle passion, à recontacter au moins une fois par an pour lui proposer des biens à vendre. OK ? Très clair, très clair. Non, mais c'est vrai que c'est des rappels. Alors, je pense que tout le monde sait tout ce qu'on a, tout ce qui a été dit. Tout le monde le sait déjà. Mais finalement, est-ce qu'on le fait tous ? C'est la vraie question. Et voilà, comment on peut le systématiser ? Comment on peut s'obliger à respecter ce process finalement ? Alors, comment on peut s'obliger ? Ça s'appelle le professionnalisme. Et donc, moi, ce que je vous dis, personne ne vous oblige à le faire. Mais je vais vous montrer financièrement ce que ça va vous rapporter de le faire. Après, à vous de voir. Vous savez, c'est un peu toujours le principe, hein. Le feu, ça brûle, on te le dit une fois, deux fois, trois fois, mais il y en a quand même qui vont mettre la main dans le feu. Donc, bon, après ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est une question de rigueur, je l'ai dit tout à l'heure, la rigueur bat le talent. Et donc, si vous voulez être pro et pérenniser votre business, il faut de la rigueur, c'est nécessaire, on ne peut pas passer à côté de ça. Et surtout, c'est aujourd'hui devenu tellement simple. À l'époque, il fallait tout noter, il fallait mettre ça dans des agendas, il fallait peut-être mettre ça dans un fichier Excel. Là, vous avez ça dans votre smartphone. En temps réel. Et votre smartphone, enfin moi avec Odoo, je peux même mettre à recontacter dans un an et dans un an, mon smartphone me dit tu dois recontacter tel client pour telle raison. Donc ça veut dire que le travail est fait. Mais alors réfléchissez un petit peu. J'ai parlé tout à l'heure de systématisation et d'automatisation. Vous allez engager 10 commerciaux. Combien vont rester sur les 10 commerciaux ? Je ne sais pas moi, 5, 6, 2. Tous ceux qui vont partir,
et qui auront introduit toutes les informations dans votre CRM. Il aura introduit dans votre CRM, pas dans son CRM. Quand il part, votre CRM, 6 mois plus tard, ah, est-ce que tu peux recontacter telle personne? Il voulait vendre sa maison à l'époque et puis pour finir avec madame, ça n'allait pas. Il a postposé sa vente de 6 mois. Votre commercial, il est parti, mais vous, dans votre CRM, le CRM vous dit, eh oh, ici, il y a du business. Et donc, je pérennise. Donc, ça veut dire que la formation que j'ai donnée à mes collaborateurs, s'ils s'en vont, eh bien, ils s'en vont, mais pas avec tout. Vous, vous gardez tout le travail qui a été fait en amont quand ils étaient dans votre agence. Et ça, ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent. Très clair. Pour les grosses agences. Non, mais très clair. Ça paraît tellement évident, mais effectivement, je pense que c'est encore, il y a encore du chemin. Il y a encore un potentiel d'amélioration, en tout cas pour. Ah, mais je vais te donner les chiffres. Il y a presque personne. Enfin, tu vas dans 2 DI, je te montre les chiffres. C'est affolant. C'est affolant. Alors que c'est du business facile, en fait. C'est du business super facile. Et on sait que la prospection, c'est compliqué. Alors. Christelle, elle a une problématique puisque c'est pas seulement elle qui doit mettre en place. Voilà, elle dit mais j'ai du mal à persuader mes négociatrices à utiliser donc ces outils. Donc elle doit certainement se référer au CRM puisque l'approche de base c'est quand même au manager de réaliser cette approche de réflexion bien évidemment. Voilà. Eh bien, alors, comment on fait ? Alors il faut donc moi j'ai en tout cas c'est dans mon caractère, c'est comme ça que j'ai été éduqué. Je ne fais que du management motivationnel. Si vous voulez, il y a un super livre de management qui s'appelle, et si vous voulez, c'est la base, hein, le Manager Minute. Ça se lit en 1 heure, c'est d'une simplicité déconcertante. Et je ne sais plus qui a écrit ça, Manager Minute, c'est même pas 100 pages. Il y a 4 grandes choses à faire dans le management. Je ne vais pas expliquer ça maintenant, parce que si tu veux, dans un prochain webinaire, avec plaisir, ben voilà, je vois des gens qui me disent c'est fabuleux. C'est d'une simplicité déconcertante, le management. Mais moi, ce que je fais, c'est du management motivationnel. Et donc, je ne vais pas les persuader, mes négociatrices, de l'utiliser. Je vais leur montrer par A plus B, notamment en utilisant les chiffres que je vais vous présenter là maintenant, en leur disant, mais si tu ne le fais pas, tu perds plein de pognon et tu perds plein d'énergie. Et donc, c'est quelqu'un qui va passer à ta place et vendre un bien, alors que ce bien, tu aurais pu le vendre si tu avais été un tout petit peu organisé. Donc, c'est juste, à un moment donné, marketer, si vous voulez, vos outils. Mais sachez que ces outils font la différence. Et quand je dis font la différence, je vais ici tout de suite parler de chiffres. Vous allez voir que c'est très, très impactant. Alors, avant que je montre les chiffres, Thibaut, est-ce qu'il y a encore des questions Alors, question, peut-être, de toute façon, il y aura certainement des questions qui vont venir au fur et à mesure, mais pour moi, je trouve que c'est très clair et on a envie de voir la suite, bien sûr. Hein. Génial. Alors, voilà mon expérience personnelle. En 2 ans, j'ai visité à peu près 50 unités. Je parle d'appart, je parle de terrain à bâtir, je parle de manoir, je parle de grosses villas, parce que bon, et voilà, j'investis beaucoup d'argent dans l'immobilier. Sur ces 50 unités que j'ai visitées, j'en ai acheté 5, 10%. D'accord ? Donc, a priori, quand vous me voyez, il y a une chance sur 10 que j'achète le bien. Sur ces 50 unités et ces 50 agents immobiliers différents, il y a 3 agents qui m'ont rappelé pour un autre bien. Ils m'ont rappelé dans les 3 mois, donc c'était trop court. Il y en a 3 qui m'ont rappelé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a que 6% des agents qui font attention à la pérennité. Là, j'ai un vivier de statistiques qui est… crédible sur 50 visites. Alors, c'est exclusivement en Belgique, puisque quoique j'ai regardé un petit peu à la frontière française, parce que par rapport à la Belgique, c'est beaucoup plus facile d'acheter en France qu'en Belgique, parce que nous, les normes de prêt sont plus compliquées. Et donc voilà, il n'y a même pas 10% des agents immobiliers qui me passent juste un coup de fil parce qu'ils savent que je veux acheter. Mais est-ce que vous imaginez, si ne fût-ce que l'avoir mis dans un CRM, eh bien, une fois sur 10, ça paye. C'est 10% de prospection sans rien faire qui tombe du ciel. Hein. D'accord ? Je continue avec les chiffres. Hein. Tu vas voir, ça va aller crescendo. Donc, moi, je t'ai promis en commençant ce webinaire que les gens pouvaient faire une croissance à 2 chiffres sans effort dans les 5 années à venir. D'accord ? Et tu vas voir que ceux qui veulent, ils peuvent le faire tout de suite. Et je l'ai fait avec l'exemple d'un bien que j'ai à Bruxelles. Donc, mon avatar, mon agent immobilier ici, j'ai pris vraiment les statistiques moyennes. Il vend 10 unités par an pendant 5 ans. D'accord ? Et moi, ce que je vous propose, c'est que votre CRM envoie un graphique annuel
à tous les gens, donc ces 50 biens que vous allez vendre, les 50 personnes qu'ils ont achetées, donc je ne parle pas de les prospecter, des nouveaux biens, hein. Je parle juste de ceux que vous avez déjà vus un jour et que vous avez vendus. Eh bien, ces 50 personnes, tiens, c'est, on voit bien, on voit tout, hein, ouais, ok. Donc, ces 50 personnes, eh bien, chaque année, je leur envoie un petit courrier à leur date d'anniversaire, s'il vous plaît, quand même, c'est la base. Vous avez un agent immobilier qui vous envoie, eh bien, je vous souhaite un très bel anniversaire et sachez que votre bien immobilier, qu'à l'époque, vous avez acheté 200 000 euros, eh bien, aujourd'hui, sur le marché, il vaut 230 000. Quel va être l'impact du gars qui a acheté ce bien? Un, waouh, l'agent immobilier, le mec, c'est du sérieux. Il me souhaite un bon anniversaire, super sympa. Je vais tout de suite répondre. Merci, un grand merci pour ça. Et puis surtout, qu'est-ce que ça me fait du bien? Je vois que j'ai pris 15% sur mon bien. Qu'est-ce que ça me donne envie? Ça me dit, ben, l'immobilier, ça marche. Donc, ça me rassure en plus dans mon choix. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'arrive pas à… C'est pas forcément… Oui, ta slide n'est pas affichée, mais on a compris voilà. En tout cas. OK. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous êtes en train de ce qu'on appelle de créer un portefeuille client. J'ai travaillé longtemps dans l'assurance et c'est donc créer un portefeuille client. Donc, je continue avec ce même avatar. Dans 5 ans, cet agent immobilier a vendu 50 unités. D'accord? Je ne vais même pas compter les 2 dernières années de vente parce que l'immobilier, en 2 ans, je me suis dit… ça n'a pas augmenté assez pour attirer des ventes potentielles. Donc, je suis parti sur 40 biens, d'accord? Pas 50. Donc, je n'ai pas compté les dernières années, d'accord? La dernière année. Et moi, j'ai pris l'exemple du bâtiment, d'un des bâtiments que j'ai ici à Bruxelles, tu vois la photo, où l'agent immobilier, il a fait ça. En fait, il n'a pas fait ça, il était très malin. Il y a un agent immobilier qui a vendu un bien du bâtiment et il a fait le tour de tous les propriétaires en disant « Est-ce que vous savez quelle est la valeur de votre bien ?» Sur les 8 unités, il en a vendu 4 en 2 mois. OK? Alors, il a vendu 4 unités en 2 mois. Moi, j'ai fait un calcul. Donc, j'ai regardé combien ça avait été vendu. 1 350 000 euros en tout. Et j'ai pris 3% de commission. Je sais qu'il y a des agents immobiliers qui demandent moins. Je sais qu'il y a des agents immobiliers qui demandent plus. Donc, moi, j'ai pris des statistiques, 3%. Eh bien, ça veut dire qu'en moyenne, à Dimka, la vente, il s'est fait 200 000 euros sur 5 ans avec l'exemple que je viens de donner. Pour un, j'ai mis, hein, je ne vais pas le dire tout haut, 10 000 par an. Un email par an. Et tu gagnes 200 000 balles sans rien faire. En 5 ans, ça te fait 40 000 euros par an. Et je suis certain que 80% des gens qui nous regardent ne gagnent pas 400 000 euros par an. Et donc, rien qu'en ayant un CRM, vous gagnez ça. Alors, faites le calcul. Imaginez tous les biens que vous avez vendus s'il y a des agents immobiliers qui sont là depuis 10 ans. J'espère que vous avez les coordonnées de toutes ces personnes, mesdames, messieurs. Parce que si vous leur envoyez demain un courrier en leur disant « Est-ce que vous connaissez la valeur de votre bien immobilier aujourd'hui ?» Je vous assure que dans votre portefeuille existant, il y en a au moins 25% qui vont dire « Passez à la maison, on va en discuter. » C'est une nouvelle façon de faire la prospection, puisque l'idée qu'on en a de la prospection, c'est faire de la pige ou alors effectivement d'aller taper aux portes. Mais il y a toute la partie marketing digital aujourd'hui qui est automatisable et automatisée et qui permet d'aller beaucoup plus loin. Donc, on met quand même le focus sur le marketing digital tout en ayant une analyse au départ sur la cible, on l'a vu, et le targeting. Donc, quels sont les outils, même si on sait qu'aujourd'hui, les outils qui fonctionnent, ce sont les outils du marketing digital et qui permettent, et le CRM hein, que tu as présenté, qui permettent d'automatiser. Donc, c'est ça vraiment la nouveauté. C'est non pas simplement, c'est l'alliance des méthodes que l'on connaissait un peu classiques avec un peu de modernité, c'est ça? Exact. Mais en fait, c'est juste d'être concentré sur la bonne chose à faire au bon endroit, être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Et il y a très peu d'agents immobiliers qui exploitent leur portefeuille. C'est comme si vous me disiez qu'un assureur devait faire tout le temps des nouveaux contrats. Et non, un courtier en assurance, quand il crée, eh bien, il va créer de la récurrence. Eh bien, là, vous créez une récurrence avec votre portefeuille client, d'une simplicité déconcertante. Et les gens vont être ravis. Ils vous ont déjà acheté une fois. Donc, le lien de confiance, il est installé. Ils reçoivent un mail. Je reviens à ta question, Frédéric, tout de suite. Ils reçoivent un mail en disant, monsieur, votre bien. Alors, moi, je vous promets, à Bruxelles, ça a fait x2. En 10 ans, là, ça a fait x2. Et donc, moi, j'ai. Et alors, en plus, il y a un couple de 50 ans, il y a un célibataire, il y a un couple d'avocats de 30 ans avec un jeune enfant.
Et le quatrième, c'est un gars qui vit à l'étranger, un Autrichien qui louait ça comme investissement immobilier. Et le gars, tout à coup, il se rend compte que ce qu'il a acheté 200K il y a 10 ans, ça en vaut 400. Attendez, moi, je suis à l'étranger, 400, je prends 200 net dans ma poche alors que le bâtiment, il est payé depuis 10 ans. Mais tout de suite, je le vends. Et le marché, pourtant, est très volatile pour l'instant et donc les gens achètent. OK ? Donc, c'est super simple. Au lieu d'aller dans le dur, mais faites d'abord l'argent facile. Et l'argent facile, c'est dans votre portefeuille. Très clair. Enfin, ce que tu as dit aussi, c'est qu'il faut s'intéresser aux clients qu'on a déjà eus. Et c'est vrai que c'est un constat. Dans l'immobilier, généralement, on oublie de relancer ses clients, ceux qui sont déjà passés par nous. Et donc, c'est vrai que c'est dommage d'aller chercher de nouveaux clients quand on a déjà tout un portefeuille qu'on peut entretenir et qu'on peut gérer donc avec le CRM. Très clair. Exact. Alors, moi, donc, sache que tout ce que je transmets, je l'utilise avant. Donc, je ne suis pas agent immobilier, je fais des formations pour les agents immobiliers. Mais donc, j'ai tout testé avec quelqu'un qui a un club immobilier que tu connais, qui s'appelle Marc Géance Perger, que tu as déjà invité à Vitrine Média. Et donc, il peut en témoigner. J'ai testé et en un peu moins de deux mois, j'ai trouvé 4,4 millions d'euros de biens à vendre. 4,4 millions d'euros. Eh bien, vous faites la commission à du 3%, ça fait à peu près 150 000 balles de com. Déjà, celui qui gagne 150 000 euros par an, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, là, en même pas deux mois, j'ai été chercher tous ces biens. Juste en utilisant les techniques-là. Et moi, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai pris mon portefeuille client de mes différentes activités. Et j'ai envoyé, salut, comment ça va? Je me suis lancé, eh bien, dans une formation dans l'immobilier. Est-ce que je pourrais avoir tes conseils? Ah, ben oui, super. Et puis là, ben, en rencontrant un genre, ben, tiens, en fait, tu sais quoi, j'ai envie de vendre ma maison. Ah, tu sais quoi, j'ai envie de vendre ma maison. Et tous ces biens dont je te parle, il n'y a même pas d'agents immobiliers qui sont au courant. Hein. Donc, c'est vraiment facile à mettre en place. Je vous invite à le faire. C'est d'une facilité déconcertante et les résultats sont là. 4,4 millions d'euros de biens et 200 000 euros en 5 ans, donc 40 000 euros qui vous tombent dans la poche rien qu'avec vos clients existants. C'est très clair et c'est très intéressant. Effectivement, quitter c'est ce que dit Laurent, hein, le problème de l'agent immobilier qui fait du one shot. C'est vrai que c'est dommage parce que ceux qui ont du talent, le talent pour faire du one shot, c'est dommage qu'ils puissent pas justement utiliser le talent de l'automatisation de toute la méthode que tu as présentée pour aller non seulement réussir le one shot quand c'est nécessaire, mais aussi avoir un vivier, un peu comme cette métaphore que tu nous avais parlé du commercial, l'éleveur et le chasseur. Exact. Donc effectivement, il faut être un peu des deux, chasseur sur le one shot et éleveur avec toute la base d'informations qu'on a pu constituer au gré des années. Et ça, c'est fantastique. Et c'est ce qui permet vraiment de créer un business qui grandit et qui est pérennisé. Ça demande très peu d'efforts. Et c'est ça aussi qui est important. Parce que le one shot, c'est très, très, très énergivore. Oui, on l'a vu la dernière fois. On l'a vu de la dernière fois. Mais si c'est très énergivore, soyez intelligent, pérennisez votre énergie sur le long terme et mettez en place des automatismes, des systèmes qui vous permettent, eh bien, parce que je vous assure que c'est toujours quand on a la corde autour du cou et que vous avez un client qui vous appelle, tiens, j'ai reçu ton mail, je serais vraiment intéressé de vendre mon bien. Alléluia. Hein. Alléluia. Très clair. Écoute, je pense que la démonstration est faite. J'ai trouvé ça passionnant. Est-ce qu'on a encore quelques questions? Parce qu'on arrive à la fin quand même de cette démonstration. On a eu les quatre étapes. J'espère que ça a éveillé les consciences, en tout cas, une volonté d'apporter du nouveau, du renouveau à sa méthode commerciale cette année, en 2021. On va avoir besoin de faire de la prospection et peut-être la prospection d'une nouvelle façon. On sait tout ce qu'il faut faire, puis on l'oublie, mais il y a des outils pour ça. Moi, ça m'a appris plein de choses. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce qu'il y a des questions pour Gilles avant qu'on clôture cette intervention? Alors oui, alors tu organises une formation. Exact. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que j'ai expliqué, mais qui veulent aller beaucoup plus loin dans les scripts, dans la systématisation, dans l'automatisation, qui veulent justement développer eh bien, une pérennité dans leur business, le 27 et le 28 janvier, donc mercredi, jeudi, j'organise une formation, ben, vous êtes chez vous puisque c'est vidéoconférence. Je vais mettre le lien tout de suite dans le chat, comme ça, eh bien, vous pouvez utiliser le lien d'inscription. Et alors, merci Thibaut, si vous utilisez le code VM, donc Vitrine Média, eh bien, cette formation qui normalement coûte 1980 euros ne vous coûtera que 1180 euros. Et donc, ça veut dire 800 euros d'économie grâce à Vitrine Média et grâce à Thibaut. Donc, vous pouvez le remercier.
Merci Gilles, effectivement. Donc voilà, tu as mis le lien, donc on peut s'inscrire. Et ben j'en profite, puisque c'est le moment de faire un peu de pub. On lance d'ailleurs chez Vitry Media un nouvel outil. On a beaucoup parlé d'outils aujourd'hui, un outil de marketing digital, voilà, de prospection, qui est un mini CRM en soi et qui permet d'automatiser ses relations avec ses clients. C'est un outil qui s'appelle Visible et qu'on lance mercredi. On fait une démonstration en ligne sur ce même outil, en tout cas sur l'outil qu'on utilise actuellement, à 16h mercredi. On va vous mettre le lien pour vous inscrire pour mercredi. Donc un outil de marketing digital, puisque comme tu le dis, c'est très important le marketing digital. Chez Vitry Media, on a toujours communiqué, c'est vrai, on a toujours dit que la vitrine c'était important, mais il n'y a pas que la vitrine, il y a aussi le marketing digital, donc le web, pour communiquer aujourd'hui et aller chercher de nouveaux clients et séduire bien sûr de nouveaux clients et aussi garder nos clients actuels. Et c'est vrai que Visible Ads, notre nouvel outil, vous présentera c'est un peu une révolution, mercredi à 16h. Voilà, merci en tout cas Gilles d'avoir été avec nous pour cette démonstration sur la prospection, à quoi ça sert et comment on peut renouveler notre méthode en 2021. Merci à tous. On se retrouve certainement beaucoup plus souvent que tous les 15 jours, puisque je pense qu'on aura quelques nouvelles bientôt. Donc, on va certainement se retrouver toutes les semaines comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Merci à tous et bonne soirée. Merci Gilles. Avec plaisir Thibault.